Avec son guide des palettes engins Sherpa, la Norvégienne Kristina Rila a escaladé 14 sommets en 3 mois et 1 jour non en 2 jours, arrachant le 27 juillet le record du monde détenu jusqu'alors par le népalo-britannique Nirma Purja. Mais cet exploit vient d'être terni par une controverse. Des images de drones partagées par d'autres alpinistes la montrent avec son équipe passée au-dessus du corps visiblement blessé de Mohamed Hassan. Un Sherpa d'une autre équipe qui est décédé peu après, tandis qu'elle poursuivait son ascension du deuxième sommet le plus haut du monde pour décrocher le record. Il se trouvait à ce moment-là sur le bottleneck du K2. Un couloir étroit et hautement dangereux surplombé par des séracs d'un champ de glace à seulement 400 mètres au-dessous du sommet. Selon le secrétaire du club d'alpinistes, Karar Edari, quelques 100 grimpeurs ont atteint le sommet du K2 ce jour-là. Les autorités pakistanaises du tourisme au Gilgit-Baltistan, qui délivrent les autorisations d'ascension, ont annoncé vendredi avoir ouvert une enquête relative à ce décès. Personne ne se souviendra de ton succès sportif, seulement de ton inhumanité, a écrit un internaute sur Instagram. Le sang des Sherpas est sur tes mains, a ajouté un autre. Kristina Rila a aussi essuyé des critiques pour avoir célébré son ascension une fois revenue au camp de base, à flanc de montagne. L'athlète se défend. Tard jeudi, l'athlète de 37 ans a affirmé sur Instagram avoir tout fait pour lui Mohamed Hassan, dénonçant les menaces de mort dont elle a fait l'objet depuis l'accident. Elle a assuré qu'elle avait, en compagnie de son caméraman Gabriel, ainsi que deux autres personnes dont l'ami de Hassan, passé une heure et demie à essayer de le remonter après sa chute. Il n'est pas indiqué où se trouvait l'équipe du Sherpa, mais de nombreux alpinistes se trouvaient derrière eux, a relaté la Norvégienne. L'alpiniste a ensuite poursuivi sa route, après une alerte à l'avalanche transmise par son équipe. Gabriel est lui resté aux côtés de Hassan, a-t-elle assuré, partageant avec lui son oxygène et son eau chaude. Au bout d'une heure supplémentaire, le caméraman a décidé de partir, car il avait besoin de plus d'oxygène pour sa propre sécurité. À leur descente, ils ont constaté que Mohamed Hassan, 27 ans, était décédé. Mais son équipe, composée de 4 personnes, n'était pas en mesure de descendre son corps en toute sécurité. Car il aurait fallu au moins 6 personnes pour le faire, s'est défendue la Norvégienne qui a relevé que le Sherpa n'était pas correctement équipé. Sa mort est vraiment tragique. Et j'ai beaucoup de peine pour la famille, a-t-elle encore dit, mais nous avons fait de notre mieux, en particulier Gabriel. De nombreux utilisateurs ont pris la défense de Arila, relevant les dangers encourus lors d'une telle ascension. D'autres se sont demandé pourquoi le Sherpa n'avait pas été correctement équipé, une internaute dénonçant l'inégalité de traitement entre les alpinistes occidentaux et les Sherpas. La vie des locaux est bon marché.